S'exprimer à partir de cette question. Ce qui nous est surtout revenu majoritairement dans les réponses spontanées, c'est à savoir l'injustice, les inégalités, le droit des femmes ou les droits des femmes et non pas des mères, et une très mauvaise communication de la part de la France insoumise. À savoir que les petits papiers qui sont distribués sont trop chargés en informations et ne donnent pas des mots-clés pour vraiment définir ce que l'on veut défendre comme projet de société pour demain, notamment en prévision des prochaines élections européennes. Voilà, donc nous appelons toutes les insoumises et les insoumis à réfléchir de l'entre-deux-mer. De l'entre-deux-mer. Pourquoi pas, et pourquoi pas, et au-delà, à réfléchir à ces trois questions qui pour nous sont essentielles. Comment répondre aux questions face aux injustices qui montent dans notre pays? Comment répondre face aux inégalités? Comment répondre aux droits des femmes au pluriel et non pas des mères? C'est très important. Voilà, nous sommes d'abord des femmes avant d'être des mères. Et comment répondre à une communication plus ciblée qui parle à tous. Ce qui m'a le plus choquée, c'est qu'elle disait que la tranche des 40 ans, femmes, votez Front National parce que Marine Le Pen parle des femmes. Et nous, on n'en parle pas assez. Et ça, ça m'a quand même assez percutée. Alors que Clémentine Autain en parle très bien. Oui. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que Loïc, là, fasse vraiment remonter ça pour que Clémentine Autain prenne un peu plus la place. Un peu plus la parole au sujet des femmes. Il semble quand même que ce soit quelque chose, et c'est vrai que dans votre monde, ça reste une problématique importante. Donc on doit, nous, en France, à la France insoumise, absolument prendre en main ce thème qui peut devenir même un projet. Parce que voilà, c'est un projet de société où les femmes seront enfin libres d'être comme elles veulent être. Après on a rencontré quand même des gens qui parlaient de l'injustice, oui. Et moi j'ai senti un flottement, alors peut-être que j'ai interprété. Il disait qu'il était en colère contre l'injustice, qu'il n'y avait pas assez de justice. Le Front National, alors peut-être que je suis omnibulée par le Front National, mais on parle très bien. Et j'ai senti un flottement de cet homme qui... Comme on est parti avec nos badges, après on s'est après, pas... Après il s'est tu. Après il s'est tu parce qu'il a vu les badges. Mais donc là il faut quand même être clair. Voilà. La dernière chose qui pour moi était très, à mon sens, importante, c'est le témoignage de jeunes qui nous ont quand même expliqué comment aujourd'hui arriver nous à prendre aussi notre place dans ce monde qui écrase la jeunesse et comment se mobiliser comme l'ont fait nos parents par rapport à ces questions sociétales. Et ça, c'était pertinent, surtout venant de jeunes qui travaillent avec leurs parents, parce que forcément, il faut subvenir à ses besoins et qu'actuellement, les voies autres sont plus que bouchées.